Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Bonjour Hélène Montaudoin. Bonjour. Vous êtes fondatrice et gérante de Service Sérénité. Alors vous, on peut dire que c'est une incroyable reconversion. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, j'ai eu une première carrière militaire dans la Marine nationale, l'aéronavale. Voilà, et puis reconversion, voilà, je suis partie dans le service à la personne, j'ai ouvert mon agence. Le lien, c'est quoi entre les deux métiers ? Le fait de servir, en fait, j'avais besoin de servir mon pays dans un premier temps, et ensuite ça s'est un petit peu transformé. J'avais besoin de me rapprocher des gens, et donc voilà, pouvoir donner un coup de main à tout type de personnes. Donc le service à la personne, voilà. Et le service à la personne explose forcément avec une population qui vieillit aujourd'hui, avec aussi des problèmes liés à l'emploi. Est-ce que pas mal de carences chez vous aussi en matière de recrutement difficile? C'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir recruter. Nous, ce qu'on met en avant chez O2, si vous voulez, c'est l'emploi en CDI, c'est le planning adapté. On met en place vraiment beaucoup de choses pour qu'on puisse justement trouver de bons candidats. Et une fois qu'ils ont intégré O2, de pouvoir garder nos salariés. Voilà, on essaye de communiquer dans la bienveillance. Quel type de travaux vous réalisez? Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est du ménage? Est-ce que c'est comme un infirmier, par exemple? Alors, les services proposés là aujourd'hui, le ménage repassage, oui, et la garde d'enfants également chez les particuliers. Voilà. Combien aujourd'hui de clients? Je suis à la recherche de mon 100e client régulier. Ah, voyez, bah dis donc. est-ce que c'est un métier aujourd'hui qui nécessite, qui a besoin d'être valorisé, puisque franchement, c'est humainement, en matière d'engagement, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tout à fait, tout à fait. La valorisation est vraiment très importante. C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire vers les métiers qui sont pas qualifiants, qui ne demandent pas de diplôme forcément. C'est ce que j'essaie de faire, toujours être à l'écoute en fait des salariés, de pouvoir leur apporter au niveau salaire, bien sûr, un complément de salaire au maximum de mes capacités, si vous voulez, mais il n'y a pas que le salaire aussi qui rentre en compte. C'est vraiment pouvoir être à l'écoute et... C'est vraiment la relation humaine, en fait, ce métier. Ça. C'est complètement ça, oui. Et est-ce qu'il y a des évolutions salariales ou des évolutions de carrière possibles? Tout à fait. C'est d'ailleurs le cas déjà dans ma jeune agence. J'ai mon assistante d'agence, par exemple, qui était ma première intervenante. Qui est passée du terrain au bureau. Et puis des évolutions également sur le terrain, des aides ménagères qui veulent, au bout d'un moment, faire également de la garde d'enfants. Voilà, c'est tout à fait possible d'évoluer complètement. Oui. En tout cas, c'est un très joli métier et c'est vrai que c'est un métier d'avenir dont il faut prendre soin de nos, de nous tous. Hein. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous. Hélène Montaudoin, fondatrice et gérante de Service Sérénité, franchise O2. Merci. Passez une très belle soirée. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.